De la part de l'État pour faciliter votre insertion dans la vie active. Nous vous écoutons. Je vous remercie pour votre brillante question. Chers membres du jury, distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Selon un historien, l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. À travers ce passage, Joseph Kizerbo essayait de nous transmettre que l'éducation est la base du développement personnel. En faisant la promotion de l'éducation de la jeune fille, nous investissons dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'exhorte l'État à intensifier ses efforts pour que chaque jeune fille puisse accéder à une éducation de qualité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Miss Togo 2024, s'il vous plaît. Vraiment difficile. J'ai remarqué la candidate de Sikomoui. Vraiment, c'était une belle soirée. On s'est bien amusé. Ils ont laissé trop de jolies candidates en fait. Niamo, je supporte Miss France. La candidate numéro 21. C'est qui la meilleure gagne, c'est pas elle. Je pencherai pour la région du Sud-Comoué. Et puis bon, bonne chance à toutes les autres. Concernant la soirée, je trouve que cette fois-ci, ça a été bien organisé. Les filles sont bien coiffées, bien habillées. Et j'ai aimé le début parce qu'on a chanté l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Ça nous a rappelé qu'on est vraiment dans un concours ivoirien. Au moins, ça prouve que le comité commence à nous écouter lorsqu'on demande de faire de la promotion de la culture ivoirienne. Et je les félicite pour ça. Mais la partie où ma candidate n'est pas allée dans la... Vous n'avez pas bien fait, c'est pas contente. Les candidates, vous n'avez pas démérité. Vous êtes toutes des reines de beauté. Et Victor, je me rends compte que d'année en année, les Ivoiriennes deviennent plus belles.